Alors bon, si vous avez donc des questions, France s'apprête à répondre. Alors qui aurait une première question à lui poser ? Oui, sur le lait de vache, qu'est-ce que vous en pensez au niveau oxydation ? Il y avait une émission hier soir, je crois. Non, c'est pas hier soir ou avant-hier soir. Il y a une émission sur Arte, je crois, ou sur la 5. Vous l'avez vu ? Oui. Ben oui, alors, ils ont bien répondu à beaucoup de choses. Déjà, le lait, c'est un aliment de bébé. Moi, je n'élimine rien comme aliment. Mais c'est vraiment au cas par cas. Il y a des personnes qui ne doivent jamais boire de lait, ça c'est évident. Mais il y a des peuples, quelquefois, qui ont survécu grâce à du lait. Donc, mais ce n'était pas le lait qu'on trouve dans les magasins. C'était pas du lait d'animaux poussés aux hormones, etc. C'était pas du lait d'animaux qui mangent autre chose que les aliments que doivent manger les animaux, etc. Vous voyez, c'était pas le même lait. Alors, il existe quand même, il y a un producteur de lait qui fait du lait pas mal, c'est Gaborit. Oui, Gaborit, oui. Gaborit, il fait je sais pas où il est dans la 630. Il est dans le Maine-et-Loire et il travaille où? Madame. En Gergiès. En Gergiès. Ah oui, en Gergiès, c'est ça. Oui, Gergiès, c'est une petite vache, voilà. Très productrice. Voilà, alors, lui, ses vaches ne mangent que de l'herbe. Et elles ne sont pas poussées comme sont énormément de vaches. Et c'est pour ça qu'on n'en trouve pas partout. Parce que ce qui s'est passé au niveau du lait aussi, c'est la sélection. Alors, oui. Qui a beaucoup trop modifié le lait. Oui. Notamment les caséines du lait ont été beaucoup modifiées par la sélection. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut retrouver les races anciennes, justement. Alors, moi, en ce moment, je travaille en ce moment sur du lait de jument, parce que avec les juments, il y en a qui sont en train de faire la même chose qu'avec les vaches, c'est-à-dire qu'ils mettent des hormones, ils les obligent à se reproduire de façon à ce qu'elles produisent du lait, et qu'elles en produisent plus. Donc, ces gens-là font même du lait en poudre, en fait, toutes sortes de choses comme ça, qui est du lait en poudre exactement déshydraté. Voilà. Et là, j'ai fait un petit livre sur le lait de jument, où je montre comment, dès qu'il est pasteurisé, il a perdu déjà la moitié ou les deux tiers de ses qualités. Et puis, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait hier soir, il disait. Et alors quand il est en poudre, n'en parlons même pas. Bon. Et par contre, je viens de découvrir que depuis 3 générations, il existe dans les Vosges un élevage de chevaux, mais sauvages. Il y a plusieurs races, et ils vivent en groupe, séparés, et ils se reproduisent quand ils en ont envie, et on ne leur prend leur lait que pendant 2 ou 3 mois, pas plus, et des petites quantités, et avec la présence du poulain. Donc, c'est très, très, très préservé et il le cryogénise, c'est-à-dire qu'il n'est pas pasteurisé, il est gelé très rapidement et il est expérimenté pour certaines maladies, par exemple pour les VIH, HIV, enfin si vous connaissez le sida, il est expérimenté avec des cancers, etc., depuis des années et des années. Le problème est que toutes les études qu'ils ont faites, eux, depuis 3 générations, les textes ont été copiés par d'autres personnes qui font du lait de jument et qui se recommandent de ces études-là pour vendre le leur. Tu vois le truc, hein, Jean-René ? On en parlera parce que c'est très intéressant. Et donc, là, on peut avoir éventuellement une utilisation du lait dans des buts très précis. Pas une alimentation de tous les jours, du tout, mais qui peut être utilisée dans des buts très précis, d'immunité, de choses comme ça. Ça peut être intéressant. Ceci dit, pour répondre à la question de tous les jours, est-ce que je bois du lait tous les jours, c'est pas forcément la meilleure idée, parce que c'est pas un aliment adapté à un adulte, du tout, du tout. Par contre, les fromages traditionnels, attention, les fromages traditionnels faits de façon traditionnelle peuvent être intéressants, mais toujours en petite quantité. J'ai fait beaucoup de conférences dans le Massif central, et du côté de Rodez, Villefranche de Rouergue et tout ça. Et les vieux paysans me disaient, mais avant, un cabécou, vous savez ce que c'est un cabécou? C'est tout petit.
ça se partageait avant en famille. Un cabécou. Parce qu'il me disait, il faut une casserole de lait pour faire un cabécou. Et est-ce qu'on a besoin de manger 6 cabécous comme on met dans des salades aujourd'hui? C'est hallucinant. Vous voyez, c'est là que c'est la folie. On prenait juste un tout petit peu pour donner du goût au pain. Et ça suffisait amplement. Quand j'étais dans le Jura, quand j'avais 15 ans, je me souviens, le dimanche, j'allais dans une famille, de temps en temps, il y avait 6 enfants. Les gens, quand ils sortaient de la messe le dimanche, enfin, c'était les femmes et les enfants qui sortaient de la messe, et les hommes, ils étaient dehors. Et donc, ils passaient à la boulangerie et ils achetaient le pain pour la semaine, c'est-à-dire un grand pain rond. Et c'était le pain pour la semaine, pour la famille. Donc, c'était pas « je bouffe du pain à gogo hein. ». Déjà, c'était des petites quantités. Et le dimanche, on mettait le joli pain tout neuf sur la table de la salle à manger ce jour-là. Et le papa descendait à la cave, il allait chercher le comté. Et il posait ça religieusement pour le coup sur la table. Il sortait la sonde pour voir à quel degré de mûrissement se trouvait le fromage. Et avec une espèce de raclette, il coupait une tranche très fine de fromage pour chaque personne de la famille pour parfumer un morceau de pain. Et après, il redescendait ça à la cave. Donc, la tome de comté. Enfin, la roue de comté, qui n'est pas énorme, durait toute l'année. C'est sans qu'on en mangeait très peu. C'était pas « je me bouffe le morceau que j'ai acheté dans le magasin bio ». Vous voyez ce que je veux dire? C'était les Italiens, ils mettaient un nuage de parmesan, c'est râpé très fin, juste pour donner du goût. Et là, c'est amplement suffisant et c'est très bien, parce qu'il faut énormément de lait. Il faut 500 litres de lait pour faire un comté. Vous imaginez? Donc, quand vous en prenez un gros morceau, c'est comme si vous preniez l'équivalent de plusieurs litres de lait. Et donc, c'est absurde. Le problème est l'abondance. Et les yaourts, quand j'avais 15 ans, ça se donnait qu'aux bébés, jusqu'à 3 ans. Un adulte ne mangeait pas de yaourts. On les achetait un à un et on les donnait aux bébés. Vous voyez la chose. Alors, il y a un côté régressif avec les produits laitiers. C'est je veux téter maman, quoi. Il y a un petit côté comme ça. Vouloir manger des crèmes, des trucs comme ça. C'est très français, les crèmes. La France est le pays des aliments mous et c'est le pays où on perd le plus jeune ses dents à cause de ça. Parce que les gens n'aiment pas les aliments durs à croquer. C'est le pays du flambi. Voilà, exactement, et de flambi. Alors, on a une autre question ici, si vous voulez bien. Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir ce que vous pensiez du jeûne dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Alors, le jeûne, ben, ça dépend à quel âge. Si vous n'avez jamais jeûné, il est quand même pas super conseillé de débuter à 70 ans, et surtout pas si vous avez de l'ostéoporose. Il faut faire très attention avec ça, parce que... alors, ça dépend ce que vous appelez jeûne aussi. Le jeûne tel que... Enfin, le travail du jeûne ne se fait qu'au bout de 5-6 jours. Le vrai travail du jeûne. Donc, le jeûne, c'est au moins une semaine. Ça peut être 2 semaines, 3 semaines. Et vous avez le carême, par exemple, qui était normalement un jeûne. Voilà. Bon, c'est-à-dire, on mangeait rien et on buvait que de l'eau. Ça, c'est le vrai jeûne. Maintenant, on parle beaucoup de jeûne intermittent. Vous avez le jeûne est randonné où les gens boivent des tisanes, boivent des bouillons qui ne sont pas gras, des choses comme ça. Ça n'est plus un jeûne, c'est une diète. C'est pas du tout la même chose. Il y a 50 ou 60 ans, les médecins trouvaient normal de mettre un malade à la diète. Ils disaient, ben, je vous donne un jour de diète ou 3 jours de diète. Ils ne donnaient pas forcément des médicaments, mais ils disaient, pendant 2 jours, 3 jours, vous êtes à la diète. Donc, vous ne mangez pas, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez boire une tisane, des choses comme ça, mais vous ne mangez pas. Alors, le jeûne dont j'ai parlé au début, qui dure au moins une semaine, et où on ne boit que de l'eau, est très intéressant, mais je ne peux pas me permettre de le conseiller autrement qu'avec un accompagnement médical.
parce que entre le jeûne et l'inanition, vous avez un déclic mental. Vous pouvez très bien jeûner pendant 40 jours sans mourir, sans rien, mais vous pouvez très bien, au bout de 3 jours de jeûne, mourir parce que vous avez peur tout d'un coup et vous tombez dans l'inanition à ce moment-là. Et l'inanition fait mourir, c'est l'histoire du radeau de la Méduse, ils sont tous morts en 3 jours, ce qui est hallucinant, parce que un être humain est capable de tenir au moins une semaine ou 15 jours sans manger du moment qu'il peut boire de l'eau. Et le radeau de la Méduse, ils sont tous morts en l'espace de 3 jours parce qu'ils ont eu peur, tout simplement. Vous voyez ? Alors, le jeûne qu'on dit intermittent, c'est-à-dire ne faire que 2 repas dans la journée, par exemple, au lieu de 3, c'est une chose extrêmement intéressante que tout le monde devrait faire à partir de l'âge de 25 ou 30 ans, pas les femmes enceintes, pas les femmes qui allaitent, bon, etc. Mais en tout cas, quand on arrive à 40 ou 50 ans, ça vaut vraiment la peine de le faire, parce qu'il y a des études très intéressantes qui ont été faites là-dessus. Mais il est intéressant plus dans la journée que la nuit. Je vois des gens qui me disent que moi je fais le jeûne intermittent, je ne mange pas entre le dîner et le déjeuner de midi, c'est-à-dire qu'ils sautent le petit déjeuner. Cette partie-là est la moins intéressante. La plus intéressante, c'est du matin jusqu'au soir. Il est beaucoup plus intéressant de manger le matin et manger le soir avec 8 ou 9 heures d'écart que de simplement sauter le petit déjeuner. Ça ne fait pas le même effet dans le cerveau. Ça a été étudié en Allemagne et au Canada. Ils ont fait 2 groupes de gens. Ça a été une étude qui a été très très bien faite. Ça a été fait au nom des neurosciences. Ils ont fait des tests de mémoire, concentration et attention à des personnes entre 50 et 70 ans, parce que c'est à partir de 50 ans qu'on peut mesurer tous les 3 mois la perte de la mémoire, de l'attention et de la concentration. Ça, c'est statistique, ce que je suis en train de vous dire là. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. C'est une moyenne générale. Et donc, ils ont fait 2 groupes, des 2 côtés. Un groupe témoin qui a continué de faire 3 repas par jour. Ils n'ont pas du tout influé sur l'alimentation. Ils ont simplement dit aux gens, vous mangez les mêmes aliments, la même quantité, mais un groupe va continuer en 3 fois, et l'autre groupe, divise en 2 sa ration alimentaire, mange la moitié le matin, l'autre moitié le soir. Voilà. Ils ont fait juste ça. Et comme les gens avaient faim dans la journée, ils leur ont dit, vous buvez de l'eau à petite gorgée. Donc, vous avez toujours une bouteille d'eau à côté de vous, et vous buvez de l'eau à petite gorgée pour tromper l'appétit. Et en 3 mois, le résultat est extraordinaire. Parce que le groupe témoin qui a continué ces 3 repas a continué de perdre mémoire, attention, concentration, alors que les groupes qui ont pris les mêmes aliments, mais divisés en 2, le matin et le soir, avec 8 ou 9 heures d'écart, leurs 3 éléments mémoire, attention, concentration sont montés carrément de façon significative. Et ils expliquent ça en disant que quand on ne mange pas toute la journée, on a envie de manger. Et le cerveau, pour se rendre plus... Alors, il produit de la leptine qui donne de l'appétit, mais pour trouver à manger, il se met à produire des neurones. Et l'hippocampe se met à produire plein de neurones. Donc, on développe son cerveau en ne mangeant pas toute la journée. Mais je comprends très bien parce que aujourd'hui, quand on est occidentalisé, on passe d'un ventre plein à un ventre plein sans arrêt. Et ça rend bête. Vraiment. Ça empêche le cerveau de fabriquer des neurones. C'est dommage quand même. Donc on a là un moyen extraordinaire. Mais ça fait aussi monter l'immunité. Parce que ça fait travailler tout le corps pour être au maximum de ses capacités pour lutter contre tout ce que le corps doit affronter. Vous voyez ? Donc ça, c'est une façon que tout le monde peut faire. D'ailleurs, je vous conseille de faire l'essai une journée. Le cerveau déteste qu'on lui dise « à partir de maintenant, je ne fais que 2 repas ». Tout ce qui est définitif, il déteste. Il faut lui donner des échéances très courtes. C'est pareil avec la méthode. Hein. Si vous voulez des bains dérivatifs, vous dites « demain, je fais des bains dérivatifs, mais juste demain ». Et puis, le lendemain soir, vous pouvez dire « ah ben, demain, je recommence ». Il préfère fonctionner comme ça, le cerveau.
Donc, voilà. Et donc, là, et petit à petit, après, il va aimer. Mais au début, il est très comme ça. Donc, vous faites un essai une journée. Vraiment, je vous le conseille à tous. Vous faites l'essai de manger, de faire un vrai repas le matin et de rien manger toute la journée, et vous faites un repas le soir. Et vous allez voir la pêche d'enfer que vous aurez le soir, c'est impressionnant. Ça, tous les gens qui l'ont fait, à qui je l'ai fait faire, m'ont dit, mais c'est incroyable. Ils me disent, beaucoup m'ont dit, oh, j'ai pas le courage de continuer. Beaucoup m'ont dit ça. Mais c'est intéressant d'en avoir fait l'expérience parce que ça reste dans la tête et un jour, on le refait et on se rend compte que ça vaut la peine. En tout cas, en Allemagne et au Canada, ils pensent à faire ça pour les personnes âgées, notamment dans les maisons de retraite, pour éviter qu'elles perdent la tête trop vite. Ok. Donc, une question ? Pourriez-vous nous donner quelques conseils pour aider les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, s'il vous plaît ? Alors, quand la maladie, ça dépend à quel degré elle se trouve. Je peux vous dire que j'ai vu un monsieur à Marseille. Sa fille était venue faire un stage d'une semaine avec moi et elle m'avait posé la question. Je lui avais dit, écoute, j'en sais rien. Son père était vraiment détecté Alzheimer, c'est-à-dire qu'il avait vraiment... Quand je dis ça, je sais de quoi je parle, parce qu'une de mes filles est spécialisée en neurosciences et c'est son métier. Hein. Donc, il était vraiment détecté Alzheimer médicalement. Et je lui ai dit, écoute, puisqu'il a une femme et une fille qui veulent s'occuper de lui, parce que ce monsieur se perdait, ne reconnaissait plus sa maison, il était vraiment complètement désorienté. Hein. Je lui ai dit... débrouillez-vous pour qu'il ait du froid dans l'entrejambe le plus possible, et puis miam au fruit, miam au 5, que du bio, etc. Un an après, je vais à Marseille pour faire une conférence, et là, qui vient me voir ? Le médecin de ce monsieur, plus le monsieur, la dame, la fille, et le médecin vient me dit, vous avez sauvé mon patient de l'Alzheimer, parce qu'il était vraiment Alzheimer, mais c'était le début. Et ça faisait quand même un an. Qui se perdait et tout. Hein. Donc, et on a tous mangé ensemble, et c'est vrai que ce monsieur, après, allait très très bien. Donc, sur le cerveau, la maladie d'Alzheimer, dans le Science et Vie dont je vous ai parlé du mois de février, elle fait partie des maladies de type inflammatoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir les symptômes, si on n'est pas en état inflammatoire, elle ne se déclenche pas. Donc, je ne sais pas depuis quand la personne est Alzheimer, mais en tout cas, ça vaut la peine d'essayer. La difficulté, ça va être de lui mettre du froid dans sa culotte. Voilà, ça va être un peu compliqué. Mais enfin, au moins, quand elle est assise et quand elle dort, elle peut le faire. Et lui faire manger le miam au fruit, le miam au 5, le plus possible, avec beaucoup de bonnes huiles. Ça vaut la peine parce que j'ai quelques retours, mais pas assez pour pouvoir dire que ça fonctionne sur tout le monde, vous voyez ? Donc ça vaut le coup d'essayer, et surtout donnez-moi des nouvelles. Ça fonctionne sur l'autisme aussi. On a des résultats extrêmement intéressants sur l'autisme. Ça ne guérit pas l'autisme. L'Alzheimer, ça ne va pas l'enlever, ça ne va pas enlever les protéines amylases. Mais ça améliore énormément la vie de la personne. Donc ça vaut la peine. Non ? Je pense que ça vaut le coup quand même. Ok, très bien. Oui, je voulais poser une question à propos de la diète cétogène, justement, notamment pour la maladie d'Alzheimer, et pour savoir si le matin, quand on prend un petit déjeuner, il faut plutôt privilégier les bonnes graisses, évidemment, et les protéines, de manière à avoir la montée de dopamine. Attends, est-ce que c'est le matin, il faut... Est-ce que le matin, il vaut mieux privilégier les protéines et les matières grasses, de bonnes matières grasses, de manière à avoir des montées de dopamine, et puis privilégier tout ce qui est plus sucre très lent? Oui, alors journée. Là... De toute façon, tous les repas doivent avoir de l'huile. Ça, c'est super important. Le gras est très important. Je vous ai dit qu'il nous faut au minimum 6 cuillères à soupe d'huile. Alors, vous n'allez pas les mettre les 6 dans un seul repas. Hein, c'est pas possible. Donc, du gras, il en faut absolument. Ça, on n'a pas le choix. Moi, j'ai trouvé la formule simple qui est un miam au fruit, un miam au 5 par jour. Mais il m'arrive très souvent de faire le miam au 5 le matin et le miam au fruit le soir, ce qui correspond d'ailleurs à la chronobiologie. Je le fais selon mes envies, selon
mes besoins. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'ai plus envie de, le matin d'aller à mon fruit et le soir j'ai envie d'aller à mon 5. Puis à d'autres moments, c'est le contraire. Vous voyez ? C'est très important de suivre vos sensations. Moi, je trouve ça très, très, très important. Et vous dire comment faire pour vous, ben, je dis, essayez de suivre vos envies. Et il y a des moments où on a envie que de miam au 5, par exemple. Par contre, ne faites pas que des miam aux fruits. Il y a quelqu'un qui a parlé de régime cétogène. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé de ça ? Non, personne n'a parlé de ça. Si, personne n'a parlé. Ah oui, voilà. Parce que... Cétogène. C'est-à-dire l'élimination des sucres. Notamment dans le cadre d'Alzheimer, où... on entend quand même beaucoup de diètes cétogènes utilisées. C'est très intéressant. Les livres de permuteurs sont très très bien faits. Ouais, je pensais. Non mais exactement. Sauf que le livre de permuteurs, il l'a fait pour des... Alors, permuteurs, ne confondez pas avec le permuteur français, parce qu'il y a deux permuteurs. Le nôtre, il s'appelle David Permuteur. Il a deux T, et le permuteur français n'a qu'un T dans son nom. Et ce n'est pas du tout le même genre de personnage. Et celui qui est aux États-Unis est un type extraordinaire qui a un cursus complet, ce qui est, c'est unique au monde pour l'instant. Il a un cursus complet en neurosciences et en alimentation. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Moi, ça fait 25 ans que je travaille sur les neurosciences, parce que je ne peux pas dissocier l'alimentation de l'intelligence et du cerveau. C'est pas possible. On peut pas les dissocier. Les neurosciences le montrent très clairement. Mais la digestion ne peut pas se dissocier de l'intelligence. Donc c'est très important d'avoir conscience de ça. Rien n'est... le cerveau a besoin d'analyser finement tout ce qu'on mange. C'est pour ça que la mastication est très très importante. Permuteur est certainement un des personnages fondamentaux qui ont montré que la maladie d'Alzheimer, c'est un diabète de type 3. C'est-à-dire que quand on a un diabète de type 2, on va presque inéluctablement vers l'Alzheimer, c'est-à-dire un diabète de type 3. C'est du sucre, des protéines sucrées qui sont déposées sur les neurones, tout simplement. Et lui, il dit qu'il faut aucun sucre. Mais là, il exagère vraiment parce que il oublie que dans ses études, le cerveau consomme beaucoup de sucre et de gras. Et il y a une chose qui est certaine parce que à Harvard, ils l'ont quand même montré. Le seul sucre qui est bon pour le cerveau, c'est celui des fruits frais qu'on croque. Pas en jus. En jus, ça marche pas. C'est uniquement quand on les écrase dans la bouche, il faut que le cerveau puisse analyser la texture, la maturité du fruit, etc. Il faut qu'il puisse sentir tous les moindres détails. Et tout ça va lui permettre de faire tout un travail. Et il faut que ça soit accompagné d'huile impérativement. Le cerveau ne sait pas traiter le sucre correctement s'il n'est pas accompagné d'huile, et vice-versa. C'est très très important cette chose. Et je suis étonnée que ça lui ait échappé, ça, parce que... mais je suis sûre que je le rencontrerai un de ces jours, là, parce que, pour lui parler de ça, parce que c'est tellement évident quand on connaît le processus. Le miam aux fruits est le seul sucre qui ne peut pas donner d'Alzheimer. Vous voyez ? À condition que ce soit des fruits frais, pas de fruits congelés. Pas de fruits séchés, pas de fruits déshydratés, des fruits frais avec toute l'eau naturelle du fruit. C'est super, super important. Donc on ne met pas de raisins secs dans son miam aux fruits, on ne met pas de dattes sèches dans son miam aux fruits. Vous voyez, on ne met que des fruits frais, okay. Vivants. Donc une autre question. Vous préconisez donc les poches de froid pendant la nuit, mais comment faites-vous pour qu'elles restent froides, parce que ça se réchauffe très vite. Alors, il existe une poche maintenant très épaisse qu'on peut garder la nuit, qui s'appelle poche de nuit. Vous trouvez ça sur Internet.
Sinon, vous pouvez prendre une bouteille congelée que vous enveloppez plusieurs fois dans de la microfibre et vous la mettez dans l'entrejambe. Alors, c'est pas hyper sexy, mais c'est génial pour la sexualité. Et il vaut mieux le faire que les deux s'en servent, parce que sinon, il y en a un qui devient plus actif que l'autre. Luc, tu... Il y a des bonnes nouvelles, hein? Oui, bonsoir Madame Guilin. Petite question, la viande, est-ce qu'on a besoin de viande? Est-ce qu'on peut s'en passer? Alors, qu'est-ce que vous appelez viande? La viande rouge ou toutes les viandes? Oui, toutes les viandes, après s'il y a une sélection à faire. Oui. En fait, la question, en fait, c'est la question du produit animal, la vraie question. Parce qu'on peut très bien ne pas manger de viande, si on mange des œufs tous les jours, ça ne pose pas de problème. La question, c'est celle du produit animal. On peut être dans un endroit où il n'y a même pas d'œufs, mais on a les produits des coquillages. Les Maoris, par exemple, mangeaient presque pas de poisson, parce que pour pêcher du poisson, c'est très compliqué. Ça court vite, un poisson. Donc, ils mangeaient des coquillages. Quand on n'a pas de filet, quand on n'a pas de harpon, pas de métal, etc., attraper du poisson, c'est quasiment pas possible. Donc, la question est celle du produit animal. Il y en a qui mangent des escargots, il y en a qui mangent des insectes. Un peu de protéines animales, c'est très intéressant parce que ça permet de manger beaucoup moins le mélange céréales et légumineuses. Ça permet d'en manger beaucoup moins et de transformer beaucoup plus vite en protéines humaines les protéines végétales. C'est l'avantage. Mais il suffit de... Une tête de sardine, vous faites un petit bouillon avec, vous filtrez, vous utilisez le bouillon, ça suffit largement pour une personne pour avoir assez de protéines animales qui vont aider à transformer très rapidement les protéines végétales en protéines humaines. Donc on n'a pas besoin d'en manger beaucoup. Si vous regardez les Chinois par exemple, avec un œuf, ils font une omelette pour 5 personnes. Et je ne vous dis pas que vous devez vous priver de ce que vous aimez, mais je veux dire que ça suffit. Vous voyez, une omelette faite avec un œuf peut être suffisamment de protéines animales pour 5 personnes, à condition que dans le repas, elle ait les 4 autres éléments. Est-ce que c'est assez clair? De même, on peut mettre un nuage de parmesan. Voilà. Alors, ceci dit, le fer émétique peut poser un problème selon votre ascendance. C'est-à-dire, si vous avez des parents qui, depuis des générations, ont fixé le fer à partir du sang rouge d'animaux, il est possible que vos gènes soient tels que votre corps n'arrivera pas à fixer le fer végétal. Ça, c'est possible. On voit ça beaucoup. J'ai une amie qui, pendant 20 ans, totalement végétarienne, pas de viande... un œuf par semaine, enfin vraiment très peu de produits animaux, pratiquement pas, et bien elle avait un taux de fer catastrophique, infirmière en plus, il y en a peut-être qui l'ont connu. Personne n'est venu à la Gauvinière parmi vous là? Non, il n'y a personne? Ah ben voilà, vous me disiez bien que je les avais vus quelque part. Alors, et bien, Jocelyne, elle était arrivée à avoir un taux de fer catastrophique, on voulait l'hospitaliser et la mettre sous perfusion, tellement c'était grave. Et je lui ai dit, écoute, pour remonter ton fer, t'as pas d'autre solution que de manger du boudin noir aux pommes. Elle était vraiment atterrée, parce qu'elle m'a dit, rien que l'idée me donne envie de vomir, super. Et je lui ai dit, mais c'est ça, ou l'hôpital, t'as pas le choix. Hein. Donc c'est trois parts de boudin par semaine avec des pommes que tu coupes, et que tu fais à peine chauffer, parce que la vitamine C va permettre la fixation du fer, comme je vous ai raconté tout à l'heure. Et alors... elle me dit, bon, ben, j'ai un boucher bio, je vais lui demander, voilà. Je rentre chez moi à Paris, et le lendemain, coup de fil de Jocelyne. Tu crois que je peux en manger plus que 3 fois par semaine? Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, mais je pensais que ça serait une horreur. Elle me dit, mais rien que l'odeur, j'en ai terriblement envie. Parce que son cerveau était en train de lui envoyer tout ce qu'il fallait pour qu'elle mange ça. Elle en a mangé tous les jours pendant un mois. Elle a remonté son taux de fer super bien et depuis, elle le maintient en mangeant une part de boudin aux pommes par semaine. Voilà. Elle est dans le Maine-et-Loire d'ailleurs. Et
elle maintient son taux de fer comme ça parce que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents ont toujours fixé le fer de cette façon-là. Comme en plus, elle est dans une famille bien de chez nous, on va dire. Enfin, c'est pour comparer à ma famille. Moi, j'ai du sang russe, asiatique, espagnol, africain et polynésien. Hein. Donc, j'ai des gènes un peu variés. Tandis que elle, c'était vraiment d'ici. Donc, c'était vraiment des familles où on avait toujours fixé le fer à partir du sang. Vous voyez ? Donc, le problème, il peut être là. On ne sait pas quel, on ne sait pas toujours quel gène on a. Oh, attendez. Alors, on a une question ici. C'est elle. Attendez, c'est où ? S'il vous plaît, ici. Ah, s'il vous plaît, je voudrais savoir comment trouver un sommeil équilibré. Comment trouver ? Un sommeil équilibré, ne pas se réveiller à 2h du matin. Ben, c'est tout un ensemble, justement. Le bain dérivatif est très efficace contre l'insomnie. Ça, vraiment, dans la nuit, vous prenez. Mais en même temps, vous vous couchez à quelle heure vous endormez ? 11h minuit. 11h minuit. Et vous le réveillez à 3h du matin. Parce que les quantités de sommeil dont on a besoin varient d'une personne à une autre. Et si on n'a pas eu beaucoup d'activité dans la journée, on peut ne pas avoir suffisamment sommeil. Enfin, le sommeil, moi, c'est quelque chose que je travaille depuis très longtemps parce qu'en tant que navigatrice, je peux vous dire que j'avais pas le choix. Hein. Quand je naviguais, je naviguais seule avec des enfants petits, je pouvais pas dormir comme tout le monde. C'est-à-dire que je faisais 2 heures d'affilée dans la journée une fois, et puis après, c'était 20 minutes de temps en temps. Voilà. Donc, vraiment, le sommeil, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer. Vous voyez ? Mais il y a l'idée qu'on se fait du sommeil. Quand on ne dort pas, il ne faut pas être dans son lit, il faut se lever, tous les spécialistes du sommeil vous le diront, et faire des choses intéressantes. Et on peut faire des choses intéressantes le jour, la nuit, il n'y a pas de problème. On peut dessiner, on peut lire, on peut écrire, on peut faire de la musique si on est dans un endroit tranquille, ou alors avec du piano, avec des écouteurs, comme ça personne n'entend rien. Mais il ne faut pas rester dans son lit quand on ne dort pas. C'est très important. Et puis il ne faut pas faire dans son lit autre chose que dormir ou faire l'amour, d'accord. Mais ça permet de dormir aussi. Mais sinon, il ne faut pas lire dans son lit, par exemple, ni écouter la radio, ni regarder la télé. Parce que sinon, le cerveau dissocie complètement. Il faut, quand on a pris l'habitude de ne faire que dormir dans son lit, et bien dès qu'on s'allonge, même en plein jour, on s'endort. Vous voyez ? Le problème, c'est que trop de gens ont pris l'habitude de lire dans leur lit, d'écouter de la musique. Ben, automatiquement, le cerveau ne commande plus le sommeil à ce moment-là. Vous voyez ? C'est bon ? Vous avez beaucoup parlé des fruits crus. Mais tous les intestins ne supportent pas les fruits crus. Alors ça, c'est faux. C'est parce totalement faux. Je mange bio depuis 30 ans. Je fais une intolérance au gluten. Et donc là, quand je mange des fruits crus, mes intestins ne supportent pas. Alors, si vous avez l'intestin sensible, le docteur Carton et le docteur Kousmine expliquer quelque chose qu'on connaît sur la planète entière sous les tropiques, c'est refaire la flore intestinale à partir de bananes écrasées, oxydées pendant au moins 2 ou 3 heures, et qu'on mange très lentement, en au moins une demi-heure, en insalivant bien, en liquéfiant. Le problème est que, avec le cru, l'être humain est fait pour manger cru à l'origine. Hein. On n'est pas né avec un réchaud. Donc, nous sommes faits pour manger cru. Vous commencez par réparer l'intestin en faisant la cure de bananes écrasées oxydées, qui est très bien expliquée dans la méthode. Mais après, vous introduisez les végétaux crus, mais il faut les liquéfier. C'est-à-dire que ce que vous avalez, ça doit être aussi liquide que quand c'est passé à l'extracteur. Il doit y avoir que de la poudre et du liquide, pas de la bouillie grossière.
parce qu'il n'y a pas de dents dans l'estomac. Quand on mastique correctement, je vous ai dit que j'ai mangé mon miam aux fruits en venant en voiture. Ça m'a permis d'observer des choses, parce que je le fais presque jamais, ça. Je le mange normalement. Et c'est la troisième fois que je le fais comme ça, mixé. Et je me suis rendu compte que rien qu'en laissant la salive descendre sur les aliments, eh bien vous avez la pomme qui devient liquide, par exemple. Elle devient complètement liquide parce qu'il y a un petit peu d'amidon dans la pomme. Et c'est la salive qui transforme les amidons en sucre et en eau. Je me suis rendu compte que les bouchées, rien qu'en laissant la salive imprégner bien la bouchée, eh bien déjà, ça liquéfie une bonne partie des végétaux. Et ensuite, alors en plus, ça les désacidifie. Ça a été démontré aux États-Unis. Aucun végétal cru, ni fruit, ni légumes, n'est acidifiant quand il a été bien insalivé. Donc, le grand problème, c'est le manque de mastication. C'est gratuit, la mastication. Ça ne coûte rien. Et ça permet de garder une belle structure du visage. Ça permet de garder des dents en bon état, etc., etc. Et ça permet de digérer parfaitement. Quand on insalive parfaitement un miam aux fruits, il se digère, l'estomac est vide en 1h30. Et on est léger, on est bien. Vous voyez ? Alors que quand on ne mastique pas bien, eh bien ça reste 3 heures. Ça fait une énorme différence. Donc c'est vraiment important de liquéfier, insaliver parfaitement les végétaux. Ça, je l'ai écrit au moins 10 fois dans la méthode. Là, on a une question de madame. Oui, s'il vous plaît. On a parlé de viande tout à l'heure. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert le soja protéiné. Et je l'aime bien. Mais est-ce que c'est bon? Parce que j'ai une personne qui me l'a conseillé en me disant ça remplace la viande. Ceci dit, je ne mange que de la viande blanche. Poulet, lapin, des choses. Bon, ça fait des années que je ne mange pas de viande rouge. Ok, alors, pour le soja, je n'ai pas de compétences pour répondre sur le soja, parce que je suis en France et j'utilise pas le soja. Je suis désolée, je ne sais pas tout, hein. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Il y a beaucoup plus de choses que je ne sais pas. Donc, sur le soja, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas du tout. Par contre, la viande blanche, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas elle qui donne le plus de fer. Mais ça dépend comment... Enfin, si vous aimez vraiment le soja, ça vous fait très plaisir et qu'il est de bonne qualité, il n'y a pas de raison de ne pas le manger. Parce que notre cerveau, c'est notre meilleur guide. Il nous guide à travers nos papilles, etc. Si on prend des aliments qui sont simples et de bonne qualité, ils nous amènent automatiquement vers ce dont nous avons besoin. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si l'aliment est préparé de façon simple. Je le mange avec des légumes, je l'aime, oui. Ben alors, mangez-le, il n'y a pas de problème. Vous vous sentez bien avec ça? Oui, oui. Ben alors, il n'y a aucune raison de ne pas le manger. D'accord, merci. Oui, bonsoir, madame Guilin. Ici. Ouais. Je pratique depuis plusieurs mois la douche froide. Et la douche? La douche froide, et puis c'est l'opposé du bain dérivatif. Hein. Voilà, et donc il y a peu de temps, j'ai découvert le bain dérivatif. Est-ce qu'on peut associer le bain dérivatif et les douches froides ou... Alors, les deux sont excellents, mais il ne faut pas les faire consécutivement, parce que l'un annule l'effet de l'autre. Quand vous mettez du froid, ça c'était Hippocrate qui l'expliquait déjà, quand vous mettez du froid à l'extérieur, sur le corps, à l'exception de l'entrejambe, mais quand vous prenez une douche froide, quand vous plongez dans un bain froid, vous contractez le fascia
Le fascia appuie sur les vaisseaux sanguins et les canaux lymphatiques. Il fait circuler la lymphe et le sang à grande vitesse. Ça purge les organes. C'est excellent. Ça vous réchauffe de l'intérieur. Et ça ne vous met pas en état inflammatoire. Ça vous donne un coup de fouet chaud. Voilà. Le bain dérivatif, tout le corps est au chaud. Et on ne refroidit que l'entrejambe. Et à ce moment-là, on détend le fascia qui se met à vibrer. Vous voyez, quand vous prenez la douche froide, vous contractez le fascia, ça donne la chair de poule. Voilà. Donc ça contracte le fascia et ça purge les organes. Super intéressant. À l'inverse, le bain dérivatif, lui, il détend le fascia complètement, qui se met à vibrer. Et c'est pour ça que beaucoup de douleurs s'en vont, parce qu'on n'a plus de contracture. Mais à ce moment-là, vous mettez en marche les 18 fonctions des graisses et du fascia. Donc c'est deux choses différentes. Donc mettez au moins une heure entre les deux. D'accord. Voilà. Merci. Moi j'ai une question. Je voulais savoir, je suis juste là-haut. Je voulais savoir si vous conseillez le miam aux fruits lorsqu'on a une candidose, et notamment par rapport aux fruits qui ont un fort taux glycémique. À cause du sucre. Oui, voilà. Oui, eh bien, on fait partir plein de candidats avec le miam aux fruits parce que le candidat déteste le sucre des fruits frais avec du gras. Alors, il devient hurlant, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il flambe au début, on le sent encore plus pendant quelques jours parce qu'il se bagarre, et en quelques mois, on l'élimine complètement parce qu'on rétablit l'équilibre. Parce que le candida, c'est un habitant normal de l'intestin, et il finit par se retrouver en nombre correct, parce que les fruits, en plus, apportent des microbes, les fruits frais. Et donc, on rétablit l'équilibre de la flore intestinale. Beaucoup de personnes sont arrivées à se débarrasser du candida avec le miam aux fruits, mais en supprimant tous les autres sucres. Bonsoir. J'aurais aimé savoir ce que vous conseillez de boire comme eau. Je suis là. Ah. Ici. Ce que vous conseillez de boire comme eau, et notamment ce que vous pensez de l'eau osmosée. Oh là là. Alors déjà, je ne suis pas spécialiste de l'eau. Je vous le dis tout de suite, mes limites sont très grandes. Hein. Et... Déjà, ma première réflexion, nous sommes dans un pays où il y a de l'eau potable. Vous allez en Espagne, au robinet, il n'y a pas d'eau potable. Voilà. Vous êtes obligé de prendre de l'eau en bouteille. Nous, on a de l'eau potable dans les toilettes, on en a partout. Alors, je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais déjà, c'est un premier point, quand même, qui n'est pas négligeable. L'Italie du Sud n'avait pas d'eau potable non plus. Et il y a très peu de pays où vous avez l'eau potable au robinet. Très, très peu de pays. Et ce n'est pas forcément des sauvages. Donc... pour l'eau, sur la quantité, je peux vous répondre. Sur la qualité de l'eau, je n'ai jamais réussi à obtenir des fabricants d'osmoseurs des vraies études qui me montrent que ça fasse disparaître, mais vraiment disparaître, les médicaments, enfin les produits chimiques des médicaments et les pesticides. Donc, j'ai jamais pu l'obtenir. Voilà. On me le dit, on me donne des bouts de papier en disant les chercheurs disent que, mais pour moi c'est pas une preuve. Donc je ne sais pas. Par contre, sur la quantité à boire, il est extrêmement important de vérifier qu'on urine la quantité qu'on boit pour pas faire de rétention d'eau. Attention à ne pas trop s'obliger à boire si on n'urine pas suffisamment. Vous voyez? Et moi, je conseille, pour les gens qui n'ont jamais soif, de boire... Alors, avec la chaleur, il faut toujours boire des petites gorgées, bien sûr, toute la journée. Mais pour boire des quantités un petit peu importantes, boire un litre, etc., s'obliger le matin jusqu'à midi, c'est bon, mais s'obliger à en boire beaucoup à partir de midi, ça va faire dialyser les reins toute la nuit, vous allez les mêmes vous lever la nuit, et c'est pas bon du tout, ça. Mais sinon, sur la qualité de l'eau, il y a des gens très spécialisés là-dedans, beaucoup plus forts que moi. Il y a tellement d'éléments que c'est assez compliqué. J'ai la chance à Paris d'être sur source.
Le tiers. Regardez déjà l'eau que vous avez, parce que toutes les villes sont obligées de donner le plan des eaux. Enfin, vous êtes obligé de savoir d'où vient votre eau et l'analyse de votre eau. Vous trouvez ça gratuitement à la mairie. Vous voyez ? Oui, bonsoir. Merci France d'être là. Juste, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous aviez dans votre expérience des retours sur les gens ayant subi des AVC et donc les bienfaits du miam au fruit et du miam au sein ? Oui, alors, oui. Ça, j'ai beaucoup de retours sur des gens qui ont des AVC. J'en ai même eu en ce moment que je suis depuis 3 ans avec, et qui est chercheur en plus. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Elle a fait un AVC, elle est tombée il y a 3 ans et elle a retrouvé son poste parce qu'on l'a aidée aussi à retrouver son poste. Elle travaille beaucoup plus lentement, mais elle dirige toujours son service. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, pour les AVC, il est très, très, très important de faire des bains dérivatifs, mais vraiment à fond, ça c'est super important. Et même mettre du froid carrément sur la nuque ou de l'argile très épaisse sur la nuque et faire travailler la tête beaucoup. Il y a un spécialiste du cerveau qui est à Lyon, sa femme a fait un AVC, c'était il y a une vingtaine d'années. Elle n'avait pas du tout envie d'être sur un ordinateur. Il l'a obligée à aller sur Internet, etc. Il a été assez féroce. Et elle a retrouvé, il faut faire vraiment travailler le cerveau le plus possible pour tout faire circuler. Ça, c'est... Mais en même temps, vraiment, bain dérivatif à fond. Et de l'argile sur la nuque. Pour les gens qui ont tendance à ne pas se refroidir avec la chaleur, si vous avez une personne âgée chez vous qui a tendance à faire de l'hyperthermie avec la canicule, mettez-lui une poche froide sous chaque aisselle, plus dans l'entrejambe. Et la personne peut s'asseoir dessus. Mais en tout cas, mettez du froid aussi aux aisselles, c'est important, et quelquefois à la nuque. Nous allons bientôt terminé, hein, parce que le temps passe. Je vous signale quand même que vous allez pouvoir acheter les livres de la méthode de France Guilin tout à l'heure sur la petite table. Là, vous en aurez à disposition. Il reste 2 places pour l'atelier demain, donc à l'hôtel Ibis de Quimper, près de la Biocop. Oui, et je vous expliquerai le pourquoi, le comment de chaque élément du miam au fruit, très en détail. Ensemble. Parce que plus on comprend, plus c'est de 11h à 14h. Voilà, de 11h à 14h. Il reste 2 places seulement, parce qu'il y a eu 2 désistements. Hein. Ah oui. C'est d'ailleurs 3 heures. Alors, une dernière question. Oui, justement, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications concernant l'application de l'argile sur le bas-ventre ou le cou? En tout cas, de quelle façon vous l'appliquez? Ah ben, vous prenez tout ce que vos 2 mains peuvent contenir. Parce que si vous êtes des petites mains, ça sera moins que si vous êtes un grand monsieur qui a des grandes mains. Voilà. Vous en mettez la plus grande quantité possible et vous le mettez sur le bas du ventre, c'est-à-dire juste au-dessus de l'os du pubis. Moi, je l'appuie pratiquement contre l'os du pubis. C'est-à-dire j'ai le nombril ici, la taille ici, et j'ai l'os du pubis là, donc je le mets en bas, comme ça. Hein, donc très bas, et ça va agir sur tout le ventre, bien épaisse et bien fixée. J'évite absolument de mettre sur des organes particulièrement. Et ça agit sur tout le corps. Et vous le fixez avec une bande? Avec une bande Velcro. C'est facile. Vous serrez bien en bas, vous ne faites pas une argile qui coule. Et voilà, puis après vous mettez un slip par-dessus pour tenir la bande et ça tient très très bien. On peut faire ses courses avec ça. Hein. Moi, j'ai 2 boutons à mes jeans, un pour quand je mets de l'argile et l'autre quand je ne mets pas d'argile. Merci.